les gens, bien ou bien, c'est Madara. Bienvenue pour la quatrième et dernière partie de notre Let's Play sur Destiny 2, la malédiction d'Osiris, le premier DLC, donc voilà la fin. Un DLC très court, extrêmement répétitif, avec pas beaucoup de nouveautés, un raid aussi extrêmement court, j'en ferai une vidéo. Assez déçu en général pour le DLC. Quelques armes un peu sympas et il y en a encore une ou deux que je voudrais avoir que j'ai pas à voir et, mais voilà, il y a l'avènement aussi aujourd'hui, à voir ce que ça donne. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire dans les commentaires et voilà. Je vous dis ciao ciao les mecs, c'était Madara. Pas d'autres occasions. Utilisons la forêt infinie contre les Vex, ou ce sera la fin de tout. Je calcule notre destination. Le lieu est assez simple, mais trouver une simulation correspondant au bon moment est compliqué. Très bien. Trouvez l'algorithme qui a créé la forêt. Ça vous permettra de localiser Padoctès. Les Vex vont comprendre à quel point ils sont vulnérables ici. Les Vex défendront bec et ongle cette simulation. Cet instant historique où vous inventez un générateur de réalité, je vois pas ce qui pourrait être plus important. Ah, tu peux les enchaîner avec les claques, c'est pas mal. Ah, c'est un bon... Franchement, c'est un bon truc. Merde, fallait peut-être pas descendre. C'est pas grave, on peut remonter. Ouh! Dégagez, dégagez, dégagez. Vive les claques. Toi aussi. Yep. Ça, c'est un bon petit truc.
Vex ont toujours eu deux longueurs d'avance sur tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Ikora et vous, nous avez offert une chance de les surprendre, pour une fois. Impressionnant. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'être votre spectre va peut-être un tout petit peu me manquer quand tout ça sera fini. Très bien. Nous devons nous rendre au sommet de cette tour et télécharger l'algorithme avant que les Vex ne puissent créer la forêt infinie. C'est mes préférés de Vex, ceux-là. La forme qu'ils ont, ceux-là. Tous en général, les futurs, ceux du futur ou du passé. Non, c'est ceux du passé, ceux-là, je crois. Justement, c'est pas logique. Ceux du futur, ils sont plus abîmés. Ah, bah, désolé, il y a une roquette qui est en route. Et bloqueront toutes nos tentatives. T'inquiète. Tout se passe exactement comme prévu. Ils nous attendaient de pied ferme. Il ne nous reste plus qu'à forcer le passage. Soyez imprévisibles. Ouais, j'adore. Il y a une map de PVP qui est comme ça, justement. Dans les champs et tout. Elle doit être stylée. Il a pas aimé. J'ai pété le truc, c'est bon. Ah, il y a un pas content. Enfin... Ah, il faut péter la boîte là-haut, je crois. Attends, c'est bon. C'est bon, on peut le niquer. Ouais, il aime pas les roquettes, je crois. Il y a une autre boîte à péter là-bas. Vas-y, je m'en occupe, c'est bon. Quand je te mets un truc de soin, si tu veux. Tiens. Ça fait triper ces petits trucs. Grave, ça pète partout. Wouah, c'est stylé ici, je kiffe. Trop bien. Des beaux architectes, les Vex. Putain. Et chaussée de l'architecte, c'est la chaise. Architecte. Oh merde. Je voulais lui mettre une claque en spawn, mais j'avais pas prévu que c'était un fanatique en fait. Ah. T'as eu chaud aussi, toi. Bon, c'est bon, y'a plus de fanatiques. Boum. Moi je te nique au coup de claque, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voilà. Bonne nuit, Mino. Oh putain, vas-y, je pète déjà la boîte qui est là-bas, c'est bon. Eh bien, nickel. Ah, franchement, c'est stylé. Ah, un engrais, nickel, passer à un niveau. C'est bon, c'est pété. Ah, oh, c'est stylé quand tu montes. Bien. Nous y sommes. Allons jusqu'au sommet pour retrouver l'algorithme. Ah, je crois que c'est ici la salle avec les petits trucs jaunes en dessous. Je suis pas sûr, mais je crois en fait. Tout à l'heure, ils étaient pas. Faut aller tout au-dessus, ok.
Oh putain. Faire... Faire gaffe. Ah, encore lui. Ah, ils sont sur nous aussi. Les minotaures, ils sont stylés ici, je trouve. Ils sont beaux. On voit. Ouais, je les vois. Tu les vois voler. Ah, il faut péter ça, attends. Voilà. Là, c'est bon. Là, tu peux le niquer. Voilà. Là, on peut niquer l'autre là-haut, maintenant. Voilà. Comme ça, ça va bouger ça. Voilà. Là, on peut se TP. Ça, c'est pas censé, hein. Même l'hydre, elle est stylée. Ils sont beaux en blanc et doré. Ouais. Ça rappelle un peu Calus, ça fait un peu du revu, mais j'avoue que ça fait beau quand même. Ça, c'est stylé. Wow, quand tu regardes en bas, c'est beau. J'ai pas trop eu le temps, mais c'est beau. Ah, là, il faut péter ça. Vas-y, je pète. Oh, regarde là-bas. Je sais pas si... T'avais pas vu? Ah, c'est bon, on peut la niquer. Putain, elle bouge, t'es pute. Ah, loupé. Putain, c'est chaud quand elle bouge. Voilà, arrête de bouger. Nickel. Merde. Ah, putain, merde. Il faut niquer les boîtes. Comme ça, on va pouvoir niquer le mec là-bas. Ok. Attends. Y a plus de boîte, c'est bon. Pour l'instant, je t'aide. Il va sûrement y en avoir une parce qu'il y en a encore un qui dort là-bas. Non, bah je sais pas, peut-être pas encore ou après. Il est en train de tout bouger la réalité. Ça, j'ai récupéré une roquette. C'est bon, il y a la boîte. C'est bon, je l'ai pété. C'est bon, il est mort. Dégage, voilà. C'est fait. Nous avons réussi. Je peux jouer au foot avec. Un gros ballon. On va l'acheter dans le vide. Voilà. Allez, dégage. Voilà. Elle tombe? Attends, on la voit tomber? Ah non, elle est déjà partie. Elle est tombée comme une pierre alors. Ou alors elle a disparu. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Non, fais pas, tu vas. Non, non, non. Analyse en cours. Isolement des motifs de Panoptès. Superposition sur la carte. Et voilà. Bon, tiens. Panoptès finit toujours par se retrouver aux mêmes coordonnées. C'en est fini, lui. C'est comme ça que nous allons battre les Rex. J'ai détecté un changement. Un nouveau futur. Je vais en informer Osiris. Ah.
une sous-routine défensive. De nouvelles branches de la réalité sont en train de se former. Non. Oh putain. Dis-moi. Panoctes. Culé. Où sommes-nous ? Sur Mercure ? Comment est-ce possible ? La dernière chose dont je me souviens, c'est que nous étions dans la ZME. Nous avons trouvé cet appareil et puis... Boum ! Je me sens tout bizarre. C'est comme si quelqu'un avait tout chamboulé dans mon esprit. Bon, écoutez, je n'ai jamais pensé que je devrais poser cette question un jour, mais qui d'autre est entré dans ma tête ? Accès à la mémoire principale. Enfin, vous avez été très occupé. Rectification, vous avez été très occupé sans moi. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Attendez une seconde. Il y a autre chose ici avec moi. Des hologrammes chiffrés. Énormes. Evex. Impossible de déchiffrer ces fichiers ou d'ouvrir ce portail. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'Ikora. C'est une bonne idée, non? Pas besoin de me remercier. Mais pourquoi je viens de dire ça? Je refuse de laisser la victoire nous échapper si près du but. Le sacrifice de Sagira ne doit pas avoir été fait. Vous savez où trouver Panoptes. Osiris le sait également. Il va essayer de le combattre seul. Et sans votre aide, il mourra. Et sans Sagira, elle était la seule à pouvoir ouvrir le portail. Elle était notre clé. Osiris m'a peut-être enseigné ce que signifiait d'être un arcaniste. Mais j'ai eu d'autres enseignements. Vous devez retourner sur Mercure. Et cette fois, je vais vous accompagner. Nous y sommes. Que ce soit nous ou Panoptes, c'est la fin pour l'un d'entre nous aujourd'hui. Il a fallu des années à Osiris pour trouver un moyen d'ouvrir les portails. Malheureusement, le temps nous manque. Donc... Qu'est-ce que je vais faire ? Comment ? C'est fermé, instable ! Allez-y ! J'ai pas compris comment elle a fait, mais bon. Ouais, j'ai vu. Mais l'autre, il a gardé des... Nous devons atteindre Panoptes avant Osiris. Sans Sagira à ses côtés, s'il meurt, nous ne pourrons rien faire pour lui. Ouais, mais l'autre, il a galéré des années, puis elle arrive, elle t'a fait ça, tu sais. Au KLM. La forêt infinie, c'est gigantesque. Je n'aurais jamais pensé... Est-ce que nous pourrons revenir ici, quand le destin du monde ne sera plus en jeu ? De quoi ? De quoi ? J'avoue, ils sont un peu space. Enfin, ils se planquent. Viens vers Bibi. Oh putain, le tien il m'a buté. J'ai tué deux chevaliers, mais le trois, il en reste juste un qui est en bas là. Qui est à ta droite. En bas, ouais. Attends, je respawn, je suis en train de manger ma petite clémentine. Il se cache derrière son mur de tapette là, boum, voilà. Ah, c'est cool, c'est un bon truc. Après les armes, je suis déçu qu'ils aient remis le Telesto et le Lapinjad. J'aurais préféré autre chose. Mais... Encore le Telesto, ça va, mais le Lapinjad, bon. Ouais, mais les éclaireurs, il y en a déjà plein. Non, un exo, ça... enfin un exo, il y en a. Ouais, non.
On a pas... Je sais pas combien il y en a en aiguille. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'auto, il n'y a pas beaucoup de revolvers. Enfin, ouais. Oh! Ça, c'est calme. Attends. Est-ce qu'il y a un con avec une épée là? Voilà. Et bon. Attends, il faut aller où là? C'est quoi le délire? On l'a pas tourné en rond? Ouais, mais on est passé déjà là tout à l'heure, non? J'ai un doute, je sais plus. Bref, ça se ressemble. Ouais, ils sont bizarres, les invocateurs, hein, je sais pas quoi. Oh putain, je vais claquer. Voilà, il fallait les buter apparemment. Merde, c'est pas... Faut commencer un peu plus tôt en fait. Il était trop gourmand. Ouais, je l'ai, le mignon anonyme, il est bien, je sais que j'aime bien. Bah, il me l'a redonné, je crois, encore tout à l'heure. C'est possible. Pas de deuxième chance. Si nous perdons Panoptès ici, nous ne pourrons plus jamais le retrouver. C'est encourageant. Ouais. Encore immunisé. Ouais. Changer un peu. Vas-y. Elle m'a fait tomber un légendaire, putain.
Putain, il arrive à créer même des cabales, quoi. Fort possible. Ouais. Ah, ça sent la dernière plateforme. Ils sont venus dans la forêt pour arrêter Panoptès. Mais ils ne sont pas là. Mais nous aussi. Ouais, je vois ça. J'ai mon super, mais je vais le garder pour lui. À part, c'est vraiment des gros trucs. Au pire, j'ai un lance-roquette. Fou, il a eu mal, lui. Mais oui. Non, 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 il nous efface de la forêt. Hein ? Je ne peux rien y faire. Panoptès ! Affronte-moi ! Mais ouais, je suis riche. Je vais le bloquer aussi longtemps. Va dans le portail. Vous devez détruire ses défenses. Utilisez la charge cryoélectrique. Prendre la charge. Ok, j'ai pris la charge, copain. Je peux vous donner un bon angle de tir sur son œil. L'œil ? C'est quoi l'œil? Ah ok. Oh putain. Ok. De débarrasser la forêt infinie de ta présence. Les boucliers! Non, il y a un truc qui m'a touché. Vas-y. Moi, je vais claquer. Je sais pas c'est quoi qui m'a stoppé. Vas-y. Moi je peux respawn, te prends pas la tête. C'est bon. J'ai pas compris, dans le portail il y a un truc qui m'a tapé, genre un truc jaune. Comme si c'était Osiris limite, je sais pas, j'ai pas capté. Ah, il faut le suivre.
Oh, merci pour les... Il y a des lourdes partout. Le truc au-dessus. Maintenant, gardien. GG. Et rends-moi mon spectre. Ah, voilà le vrai. L'esprit Vex se détruit. Et leur sombre futur a disparu avec lui. Et si vous voulez tout savoir, notre gardien a été incroyable. Notre gardien? Mon gardien. Le gardien. Osiris. Cela fait bien longtemps. Trop longtemps. J'allais dire élève, mais ce mot ne me semble plus adapté. J'ai eu d'autres professeurs. Le temps, la douleur, et un gardien spécialiste de l'impossible, dont je suis fier d'être l'ami. Le monde a changé. Et la cité également. Vous pourriez y retourner avec moi. Non, ma place est ici désormais. Nous avons arrêté les Vex cette fois, mais de nombreuses équations mènent à la même solution. Et si jamais il venait à en trouver une autre? J'ai fait de nombreuses prédictions, mais vous n'étiez dans aucune d'elles. Désormais, nous avons un avenir. Les chemins de la forêt resteront ouverts si jamais vous avez besoin de me trouver. Ou si vous voulez parler. J'en serai ravi. Parfait! La galaxie est sauvée, les amis sont réunis, nous avons un nouveau héros, et au fait, pas besoin de me remercier. Venez, petite lumière. Nous avons une infinité de réalités à explorer. Et tout le temps devant nous.